ça, ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. Parce que je voudrais avoir Olive Olive. Bah, moi, je comprends pas, en fait, ce qui vous dérange. Qu'est-ce qui vous insurge à travers tout ça? Pour une fois qu'on a des journalistes qui osent, justement, parler d'un petit peu de tout, même si ça pourrait toucher le président de la République, parce que bien souvent... Il y a un respect à avoir, non? Non, mais soyons honnêtes. Comme a dit Mathieu tout à l'heure. Mais on lui manque pas de respect, Cyril. Non, il n'y a aucun manque de respect. Moi, j'ai lu l'article tout à l'heure. Non, mais sincèrement... Alors, qu'est-ce que t'as appris, Olivier? Alors, pour l'instant, bah, j'ai rien appris, mais c'est bien ça. Alors, là-dessus, Mathieu, je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, j'ai rien appris de plus. Tout ce que je sais, c'est que le magazine public, ça va remuer un petit peu les choses. On va pas se mentir. Ça fait 4 ans qu'on entend parler de toutes ces histoires. Eh ben moi j'ai juste une seule chose à dire ce soir. Si Trump il a des éléments, s'il te plaît, bah, qu'il les donne et puis comme ça on en parle. Trump il disait que pour le Covid, t'as bord de l'eau de Javel, c'est lui que tu vas croire, enfin mon pauvre. Je te parle de documents ici. Il faut l'appeler aussi la première. Allô Donald, c'est Olivier. Eh ouais, il faut les appeler, bordel. Non, mais moi je suis content, Myriam, continue de dénoncer la vérité. Il y a des effets d'actualité à l'étranger. La vérité, c'est qu'apparemment il y aurait des documents qui pourraient attester de l'homosexualité des Manuel. Non, mais il paraît. Et moi ça me dérange pas, même si l'homosexualité. Mais... Sincèrement, ça me dérange pas, mais qu'il l'assume, nom de Dieu. Non, ça fait 4 ans qu'on entend parler de la chose. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Je pense que c'est. Le secret devrait l'assumer. Pourquoi il faut l'assumer? C'est une obligation. Écoute, c'est quand même le président des Français. Je vois pas pourquoi il se cacherait de quoi que ce soit. On est en 2022. Même si Emmanuel Macron est homosexuel, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Alors qu'il l'assume et qu'il le dise. On va se baser sur des rumeurs d'un document qui aurait été trouvé. Bernard, qu'est-ce que tu en penses? Même Myriam ne dit pas ça dans le public. Bien sûr. Il dit pas ça dans le public. Déjà d'une, voilà, non, je ne suis pas... Non, il faut arrêter de dire que... Il dit pas ça du tout. Mais pas...